Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes. Wazalendo. Oui, j'ai consulté ce mot dans le dictionnaire Google, traduction. Ce mot veut dire patriote. Donc, je suis un Mozalendo. Vous êtes des Wazalendo. Mozalendo au singulier, Wazalendo au pluriel. C'est un mot swahili que je ne connaissais pas. Je l'ai consulté et j'ai trouvé la traduction. Voilà, bande de Barbolingo. Hamujambo. Comme le dit souvent le président de la République, quand il arrive au Katanga ou au Lualaba, et c'est l'actualité qui est en vigueur. Et puis je vais vous parler aussi des victoires. Des victoires des patriotes, qu'on appelle Wazalendo en Swahili. Voilà, chers compatriotes, je pourrais vous montrer également quelques extraits de vidéos. Alors, le président de la République s'est rendu au Katanga, puis au Lualaba, dans une visite d'inspection. Donc, il a dit qu'il était en tournée d'inspection pour voir les travaux réalisés dans les territoires. Il a dit également que ce n'était pas une campagne électorale parce que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Ce qui étonne, c'est la bonhomie du président de la République. Il est tellement sympathique et que je me demande comment on peut ne pas aimer une personne pareille. Regardez, à l'arrivée à l'aéroport de Colosi, le nouvel aéroport bien sûr, vous voyez comment il parle à ces enfants-là. Vraiment, c'est une personne dont l'aura vraiment étonne. Je vais vous en montrer les images. Et puis, il y a également cette foule nombreuse qui marque sa popularité. Il est tellement populaire que je pense qu'aux prochaines élections, ce sera à 90% ou 95%, chers compatriotes. Je pense que c'est à cause de ces réalisations en si peu de temps, en 2 ans ou 3 ans, parce que la première année et la deuxième année, il a eu des bâtons dans les roues, il n'a pas su travailler à cause de la coalition FCC Cash, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a réussi à faire basculer la majorité en sa faveur. Regardons un peu ces images de l'arrivée qui étonne, l'arrivée au Lualaba.
ou au Katanga. Oh, chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, c'est une foule incommensurable. Malheureusement, c'est une vue de face. Si c'était une vue aérienne, vous verriez la longueur qu'occupe cette foule sur route du cortège du président de la République. Oh là là, qu'il est populaire ce président. Regardez ces populations à Diès. La sécurité est assurée hein, par les Chikata. C'est comme ça qu'on appelle la garde présidentielle. Des républicaines. Ils sont là, nombreux. Ils entourent la Jeep du président de la République. Oh là là. Nombre comme des fourmis, ça c'est l'arrière. Hein? Et ici c'est le devant. Et oui, je pense qu'avec une popularité pareille, il fera 90 ou 95%. Comme à la française 90 ou 95%. Y'a coca moi. Une popularité à Kushanga. Parce qu'il les a dit ou apaisé. Là. Nos amis sont là. Hein? Elles sont mignonnes. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu travailles? La province du Lualaba est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un agréable séjour chez elle. Que vive la province du Lualaba. Que vive la République démocratique. Bueno.
tellement de gens. Comment? C'est quoi? Oui. Ok. Eh bien, vous êtes vraiment magnifique. Voilà. Donc, il y a qui? Ayana et... Ça, c'est qui? Anaya. Ayana, c'est qui? Et toi, c'est qui? Toi, c'est Anaya. Ah, André, et toi? Daphne. Et toi, la grande? Daphne. Ah, j'adore ce prénom de Daphne. Ça va, tu t'en sors? Oh. Merci, les enfants. Vous êtes adorables. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Les mots. Mais tu as dit le mot? Ah, tu peux dire aussi? Ah, vas-y, alors. Ah oui, vas-y. Ah, vous toutes là. Bon, recommencez alors. Et toi, quand les deux parlaient, toi tu disais. Vas-y alors. Ah bon? Mais elles ont déjà parlé. Daphné et Daphné ont parlé. Hein? Tu veux aussi parler? Vas-y, tu dois parler? Non, mais tu es vraiment gentil. Hein. Tu es vraiment gentil. Ça va, toi? Toi, tu es gentil. Non, ça va. De s'arrêter, de saluer tout le monde. Ça va? J'ai eu 8 heures de temps. Ah bon? Mais j'ai l'état de ah, ok, ça va. Ça va? Les ministres sont là, bien rangés. Ça va? Ça va? Chers compatriotes, concernant les victoires montent toujours, la flèche est toujours montante, les victoires ne baissent pas. Alors, il y a eu d'autres localités récupérées, plusieurs localités. Et c'est confirmé non seulement par... les FARDC, c'est confirmé par le rebelle, le chef rebelle Bertrand Bissimoi, sur son compte Twitter que je vais lire ici. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? Depuis ce jeudi 5 octobre à 2h du matin, les FARDF, les FARDC et leurs forces dépendantes FDLR, mercenaires et autres milices. Voilà, chers compatriotes, une petite remarque. C'est Bertrand Bissimoi, le rebelle,
qui dénigre les pharisiens. Hein. Donc, les patriotes qu'on appelle en Swahili les Wazalendo, c'est des patriotes du pays qui défendent leur territoire. Là où ils vivent, ils se défendent. Et c'est souverain. Et c'est légal. Ce n'est pas, les pharisiens n'ont rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de mercenaires. Et vous allez voir dans la vidéo que je vais vous montrer, vous verrez que c'est bien la population qui défend son territoire. Bon, il continue. Soit, nous lisons ce que lui, il a écrit. Selon lui. Et leurs forces dépendantes FDLR, mercenaires et autres milices occupent la cité de Kichanga. Donc nous avons récupéré Kichanga. Remise par le M23 à l'EACRF à 4h40. Cette coalition négative, bon, il appelle ça coalition négative parce que ça les combat. Il n'y a pas de coalition, il n'y a que les patriotes. Cette coalition négative a attaqué de nouveau Kirolirui. Donc, nous avons récupéré Kirolirui. Je pense aussi qu'il y a eu des récupérations dans le territoire de Nyiragongo également, mais là, je n'ai pas les détails. Chers compatriotes, je vous le montre en image et en peut regarder ensemble. Oui, là, il s'agit d'un chef, d'un commandant des patriotes, qu'on appelle en Swahili Wazalendo. Donc, c'est un commandant de Wazalendo qui vient d'arriver à Kichanga, une cité libérée. Là, ils le disent en Swahili, vous pouvez le suivre. Et les voilà, les patriotes. C'est le peuple, c'est des jeunes de plus de 18 ans. J'en ai vu aussi qui frisent la quarantaine ou dépassent parfois. C'est peut-être aussi le responsable. Ils ont des armes hein, qu'ils confisquent à l'ennemi qui prend fuite parfois. C'est des réservistes, ils ont été reconnus par le Parlement. Ils ont été donc reconnus par le gouvernement. Vous voyez bien que ce ne sont pas des fardessés, hein. Ils sont tous armés, regardez. Hein. Ils sont originaires de là. Ils habitent là. Il y a hommes et femmes. Regardez bien, il y a des jeunes femmes qui ont aussi des armes. Hein. Voilà, chers compatriotes. D'ici lundi, c'est la victoire. Voilà, chers Wazalendo. Nous pouvons le dire avec sourire que nous sommes des Wazalendo, des compatriotes. Chers Wazalendo, nous pouvons
finir par ici et dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et souhaitons force et courage à ces Wazalendo qui, de victoire en victoire, sont en train de chasser l'ennemi. Et je pense qu'il sera également traqué jusque à son dernier refuge, hein, parce que Kagame ne va pas nous laisser tranquilles. Hein. Son objectif, c'est d'empêcher que les élections se déroulent en bonne et due forme. Hein. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.